Salut à toi l'ami et bienvenue dans Rétro Bazook. Je suis content de te retrouver ce soir pour une petite vidéo let's play découverte d'un jeu rétro. Ce soir on va tout simplement jouer à Super Punch-Out sur la Switch avec l'émulateur Super NES, voilà. Alors pourquoi ce setup? Pourquoi je joue pas sur l'original? Eh bien pour gagner du temps. Pour gagner du temps je m'explique et j'en profite pour passer une annonce. Je travaille en parallèle sur l'élaboration d'une vidéo qui demande un peu plus de travail avec un montage vidéo et un dialogue derrière, une petite histoire, un scénario. Tout ça, vous le verrez prochainement sur ma chaîne. En attendant, je propose un contenu simple, une petite vidéo démonstration d'un super jeu de boxe. La suite de Punch-Out qui était sur la NES, Super Punch-Out, c'est maintenant sur Retro Bazook. Et du coup voilà, pour te faire patienter, avec quand même un contenu assez agréable, je pense, si tu ne connais pas encore ce jeu, ouvre bien tes yeux car il vaut vraiment le coup d'œil. Je joue actuellement avec la manette officielle Nintendo, Super Nintendo, modée en Bluetooth pour la Switch, et c'est parti, on va tout de suite commencer une nouvelle partie. Alors je spoil, je n'irai pas jusqu'au bout du jeu, je vais faire certainement le circuit mineur, peut-être le circuit majeur également, on verra si j'ai le temps. Voilà, le but c'est surtout voilà, de faire découvrir ce jeu vraiment vraiment cool pour tous les amateurs de boxe et même les autres. Tous ceux qui veulent un bon petit jeu arcade qui se base sur l'apprentissage des attaques des boss avec un timing au poil, aux petits oignons. Donc on commence donc le circuit mineur avec le français, hein, le français dans le jeu qui est toujours le plus nul. Bon là c'est juste qu'il est vieux, hein, donc c'est pas très grave. Donc voilà, on commence par un vieux boxeur français et on incarne non plus Little Mac, mais ce boxeur blond. Voilà. Pourquoi pas, hein, ça change un petit peu. Hop. Et là, bon, bah là, premier match. Pas grand chose à dire, suffit de bourriner. Quand on arrive à placer suffisamment de coups sans se faire toucher, vous voyez que la barre de jauge de super augmente en bas, et quand elle est pleine, on peut mettre des coups chargés dévastateurs, comme je viens de faire là. Voilà, un coup au ventre assez violent. Comme dans Punch-Out premier du nom, on va pouvoir attaquer soit en haut, soit en bas, se protéger et esquiver à droite ou à gauche, ça change pas. Il me semble qu'il y a 2-3 trucs supplémentaires, comme par exemple la garde basse ou la garde haute en appuyant sur les flèches du haut ou en relâchant tout court. En effet, là, lorsqu'on touche aucune touche de la manette, le perso par défaut met la garde basse. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le premier kill. Hein. C'est allé très très vite. J'ai même pas eu le temps de trop commenter ce match. Y a pas grand chose à dire. On passe tout de suite au deuxième match avec le Canadien, le bûcheron. Ah oui, c'est vrai que lui, il y a une technique. Lorsqu'il fait ça, il faut faire une esquive vers le bas. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, hein, pour gagner le match. En effet, dès qu'on va essayer de lui mettre un coup à la tête, il va faire cette attaque. Et on va pouvoir en profiter, voilà, pour lui mettre tous les coups de la terre. Aïe! Hop, hop. Des fronts peu temporisés en mettant. Il est complètement invincible des coups dans le ventre. Ah, sauf là. Ok. La plupart du temps, sa graisse absorbe les coups dans l'abdomen. Mais là, quand même, il s'est pris un petit choc. Voilà, maintenant que j'ai ma barre de super chargée,
Ça va aller un peu plus vite, ça va faire très mal. Un petit coup pour sonner. Et ensuite, on enchaîne par le coup dévastateur. Aïe. Donc vous voyez, dès que je reprends un coup là, je perds un petit peu de la jauge. Et du coup, je peux plus mettre la super. Mais c'est pas grave, bon voilà. C'est le début du jeu, c'est assez simple. Ah, il est pas encore TKO. C'est que le deuxième down. Hop, et là, bla. On peut... Alors, on peut faire une autre attaque. Ouais, j'aurais pas eu le temps de vous le montrer. En fait, là, le coup chargé, c'est lorsqu'on laisse appuyer sur A. Si on appuie brièvement sur A, alors que la barre est totalement chargée, au lieu de faire un coup chargé, on va faire une succession, excusez-moi, de coups droite-gauche, 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 assez violent. Mais il faut avoir vraiment une fenêtre de temps importante pour que le combo passe en entier, on risque de se faire punir derrière. Donc je préfère, dans 95% des cas, utiliser le coup chargé à la place, voilà. Alors lui, je sais plus trop ce qu'il fait, il y a une technique aussi contre lui. Je sais qu'à certains moments, il s'énerve et il devient vraiment dangereux. Hop. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est ça. Oh. Ok, donc... Là, il fait son enchaînement qui est vraiment infini à certains moments. Et c'est très dur. Ouf, heureusement, voilà. J'ai eu ma barre de super à fond. J'ai pu lui mettre une grosse droite dans la tête. Hop là, on esquive et... Ah, j'ai pas eu le temps. Tac, 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 voilà. Toujours commencer par un jab avant d'enchaîner par un coup dévastateur. Tac, pour le déstabiliser. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ah. Quand est-ce qu'il change là? Oh! Ok. Je trouve que c'est vraiment bien foutu parce que c'est un peu comme dans la vraie vie des boxeurs. Hein. Pour les amateurs de boxe, on retrouve des sensations vraiment de boxeur, de timing, de prise de risque, voilà, d'agression, de défense. Il y a vraiment plusieurs styles en plus qui sont possibles dans ce jeu. C'est pour ça que je le trouve vraiment excellent. Hein. C'est. Je pense un, voire le meilleur jeu de boxe que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Alors là, vous voyez, je peux changer aussi garde basse, garde haute, garde basse, garde haute. Comme je le souhaite. Et voilà, on finit par un crochet du gauche dans le ventre pour mettre le petit TKO. Voilà, donc ça c'est cool. Et nous voici vainqueurs. Alors, est-ce que c'est la fin du circuit mineur? Non, évidemment non. On a le champion titre Bad Bull, le Turc. Voilà, il était déjà présent dans la version Famicom, enfin la version NES 8 bits. Et il est là de retour pour nous jouer un mauvais tour, évidemment. Il était déjà très dangereux dans la première version. Hop. Avec son attaque chargée qui peut one-shot. Ah, là, je me trompe de touche. Ben voilà, là j'avais fait l'enchaînement du coup. Tac et tac, voilà. Encore. Tac. Tac et tac. Ah, là c'est raté. Bam, voilà. Donc ce coup-là, là, lorsqu'il charge, il faut appuyer au bon moment pour contrer son coup. Et on peut le OHKO. Savoir que si on rate, c'est lui qui nous met KO directement. Donc c'est dangereux, mais voilà, c'est quitte ou double, on va dire. C'est du all-in. Aïe. Il fait des petites variations. Tac, et bla, voilà. On lui remet un bon uppercut.
Ne te relève pas. Et tac, donc là, j'ai décidé d'esquiver parce que je trouve ça beaucoup trop dangereux. Et bla, voilà, j'attends le bon moment pour le contrer. Et c'est le TKO, les amis. En moins d'une minute, on a battu le champion. Et donc, on acquiert la ceinture du circuit mineur. Donc voilà, donc ça c'est cool. C'était la première partie de ce petit jeu, voilà. Donc j'ai fait le deuxième meilleur temps, ce qui est pas trop mal. Nouveau champion, Bazook, très bon. Voilà, je suis content de moi. Alors, n'allez pas croire que c'est si facile que ça en a l'air. Il faut prendre le temps d'apprendre comment réagissent les ennemis, accepter de se faire mettre KO quelquefois avant d'enfin trouver la technique et la stratégie pour vaincre les adversaires. La plupart, voire tous les ennemis, sont meilleurs que vous physiquement et techniquement. Il vous faut, enfin techniquement non, il vous faudra donc jouer sur la stratégie, le déplacement et la technique pour combler le fossé qui vous sépare de vos adversaires. Voilà, donc hop, oh là, je me suis un peu raté. Voilà, là on tombe sur le Jamaïcain qui a une technique bien particulière. Et là, il va essayer de me mettre un gros coup dans la tronche. Ah non, c'était une feinte. Du coup, blam, faut pas me feinter, moi, monsieur. Tu feintes, tu te prends ça dans la tête. Aïe. On essaye de maîtriser son jeu de jambes avec des petits jabs gauche-droite. On lui laisse pas instaurer le rythme du combat. Voilà. Et là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Aïe. Donc là, quand même, il m'a mis un bon enchaînement, hein, mine de rien. Ça fait mal. Ah là, il va essayer de me refaire son coup. Ah non, c'est encore une feinte. Bon, bah, ça, c'est la RNG qui est généreuse avec moi, hein, j'ai l'impression. Tac, tac. Aïe. Oh, il nous met KO quand même. Ah, j'ai pas été assez patient, je pense. Là. Blam. Hop. Hop. Hop, voilà. On récupère ça super. On fait un nouveau down. Là, il commence à être fatigué. Hop. Hop, là, un gros upper des familles. On se protège comme il faut. Dame, on déstabilise et on tape, on bourrine. Et là, il va essayer de nous faire sa technique, voilà. Mais petite esquive, petit pas de côté. Et ça passe, voilà. Première victoire de ce tournoi majeur contre le Jamaïcain. Yes! Bon, j'espère pas trop galérer, hein, parce que, oui. Les prochains adversaires sont sacrément coriaces. Et on continue avec le chinois, le joueur qui ressemble à Bruce Lee. Ah, et j'ai pas le bon timing. Donc j'ai pris des gros dégâts. Tam, petit pas de côté. Là, un gros de peur. Bam. Tac, tac. Bla. Voilà. On esquive. Oui, on contre par un petit enchaînement. Pour l'instant, ça se passe bien. Aïe, je suis allé du mauvais côté. Voilà, là, il faut en pouvoir... Oula. Là, voilà. Là, c'est un coup vraiment... Non. Ah, punaise. Vraiment dangereux, j'allais dire, parce que si on se fait toucher, c'est le KO direct, enfin le down direct. Et ça n'a pas manqué, hein. Pas grave, j'ai toujours l'avantage pour l'instant dans cette partie. Tac, voilà. Je lui mets un deuxième down. Il s'est écoulé que 45 secondes, hein. Donc voilà, c'est un combat très très rude, ça va très vite. Et là, j'ai vraiment l'avantage maintenant.
Bam. Et bam, un petit compte pour la fin, parfait. Parfait, j'ai mis le peur du bon côté au moment où il se décalait sur la droite. Enfin, sur sa gauche et sur ma droite. Et voilà, il s'est mangé la grosse patate qu'il a achevée. Allez, troisième adversaire de ce circuit major, le Mexicain Masked Muscle. Qui a un coup de tête vraiment dévastateur, donc il faut vraiment se méfier. Là je vais jouer plus défensif hein, pour essayer de gagner ce match. Plus sur la défense et les contres. Là je me suis un peu raté dans la punition. Bam. Ok. Et quand il fait ça, on a le temps d'enchaîner comme il faut. Aïe aïe aïe. Ah non voilà, putain, le coup de tête dont je parlais. Je me le suis quand même mangé hein. Il fait vraiment trop mal et j'ai perdu l'avantage. Allez, c'est pas grave, on fait quand même le down. Il se relève instantanément. Ah là là, il a feinté, il a mis un jab et derrière coup de tête. Voilà, en deux coups de tête hein, je me suis fait KO hein. Dame. Ah non, et puis là, sa technique secrète qui passe, je risque de perdre le match. Hop. Ah là, deuxième down. C'est vraiment problématique pour moi. Ah non. Allez, on a esquivé le coup de tête, heureusement. Ah putain! Et c'est la défaite, les amis! TKO! TKO, il m'a eu! Ah, il est vraiment dangereux! Voilà, hein, vous voyez qu'à partir du tournoi major, ça rigole plus. Et bien que j'ai déjà affronté plusieurs fois cet ennemi, il continue à me poser des problèmes. Bon allez, je vais me réveiller. Cette fois, je vais essayer d'esquiver mieux que ça. Hein. Il faut vraiment avoir une bonne défense pour gagner ce match. Ah, ça commence mieux que tout à l'heure. Oh, j'ai parlé trop vite. Non, le coup de tête qui passe. Ok, là j'ai esquivé le coup de tête. Quand on esquive le coup de tête, ça va beaucoup mieux tout de suite. Le premier down est pour moi cette fois. Bla. Et rebla. Ah là là, ça fait bien mal. Et voilà, deuxième down, nickel. Bon, ça se passe beaucoup mieux cette fois. Allez, il manque encore un. Un coup pour faire le TKO. Et bla. Ah non, c'est pas fini. Voilà, ça y est, on finit par un gros crochet dans le ventre, chargé, bien violent. Et c'est le TKO. On va pouvoir affronter le boss. Enfin, le boss. Le champion du tournoi major. Et lui, je vous prie de croire qu'il est vraiment, vraiment effrayant. C'est... Évidemment, Mr. Sandman des USA, une grosse brute, il va falloir bloquer, il est hyper agressif, donc il va falloir bloquer son jeu d'agression avec des petits jabs au ventre, voilà, essayer de le contrôler un minimum.
et contrer. Aïe, voilà, bah là j'ai été trop gourmand par exemple. Oups. Bon voilà, j'ai vraiment, je laisse pas faire. Hein. Je joue le jeu au corps. Tac, et quand je vois qu'il s'énerve, j'essaye d'esquiver au bon moment. Mais c'est pas toujours facile. Et il me fait tellement mal, il fait tellement plus de dégâts que moi je lui en fais. Non! Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être compliqué. Pas assez patient. Ah, quand même, j'arrive à le mettre au tapis une fois. Mais je suis quand même pas bien, hein. Je suis quand même pas bien. Mais non, mais pourquoi je suis pas assez patient? Je pense que je vais perdre encore un match. Ah non. Il s'est énervé. Allez, deuxième dame. Mais malheureusement, j'ai plus assez de vie pour essayer espérer encore le vaincre. Parce que là, il va s'énerver. Et il va faire tellement de dégâts. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est le TKO. Bon, c'est pas grave. Il me reste encore une ou deux chances, me semble-t-il. Eh ouais, c'est pas le champion pour rien. Hein. Mr. Sandman, un gros morceau. Hein. Une tête de bulldog. Et une montagne de muscles. Hop. Ah, j'étais trop impatient. Allez, bim, là ça passe. Ah, punaise, il passe son combo en entier. Non. Oh là là, heureusement. J'enchaîne droite gauche, il se protège pas très bien du coup parce qu'il est. Il mise tout sur l'attaque et il se prend des coups au ventre. Faut vraiment que je joue plus défensif là. Hein. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Putain. Non, c'est mauvais ça. Que des coups au ventre. Pourtant je le sais qu'il faut faire que des coups au ventre contre lui. Pour être safe. Bon bah c'est un nouveau TKO. J'ai du mal. Je suis même pas arrivé jusqu'à la dernière phase cette fois. Je vais donc me concentrer un minimum pour ce dernier essai. Allez. Il est faisable, important. Ah non. Mauvais timing, ça.
Ok. Allez, on prend le premier down. Perdu quand même pas mal de vie. Ok, deuxième down, ça c'est bon. Allez, on est mieux là, on est mieux parti. Il reste la partie la plus difficile. Ok. Un bon coup. Aïe. Et bim, ok, il est presque mort, yes. Tac, et bra, yes, ça y est, on l'a fait TKO, et cette fois, on n'est même pas allé au sol. Donc c'est une victoire incontestée avec la dernière vie. Excellent. Ah, je suis bien content. Je suis bien content, j'avais peur d'avoir le game over, là. Et pourtant, ce n'était que la partie facile du jeu, voilà. Donc c'était les deux premiers tournois qui sont bien plus simples que le tournoi World Cup qui arrive juste après. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, voilà. Donc je gagne la ceinture avec 4 victoires, 3 défaites. C'est pas génial, génial. Mais bon, ça gagne quand même, hein, voilà. Donc j'espère que cette petite session de boxe vous aura plu. C'est très très fun, hein. C'est très très fun. Le gameplay est vraiment soigné aux petits oignons. Il est, enfin franchement, on sent qu'il a été testé, retesté. Le jeu est nickel chrome. Il est dur, il est très dur, mais il n'est pas injuste. Il y a les fenêtres d'attaque. Et on apprend de nouvelles stratégies au fur et à mesure qu'on réessaie les combats. Et franchement, c'est juste hyper plaisant. Plus on joue, plus on se régale à ce jeu. Donc voilà, je ferai certainement la suite une prochaine fois. J'essaierai de finir le jeu lors d'un prochain live. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, suivant le cas. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour découvrir une vidéo inédite avec, comme je vous l'ai dit, un petit montage, une petite histoire que j'espère vous trouverez sympathique. Voilà, en tout cas, c'est un bon délire que je me fais en ce moment. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt sur RetroBazook. Ciao !